Rassurez-vous, Madame Bourdel, c'est français, c'est la police française. Alors, Ausweis papier, s'il vous plaît. Autant ! Mais que se passe-t-il ? Vraiment, je ne comprends pas. Pas la peine de prendre vos grands airs. J'ai dit Ausweis ! Tiens, pendant que vous y êtes, ajoutez-moi les tickets de pain. Vous les laissez tomber doucement par terre, allez, hop ! Hop, 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 hop ! Servez-vous, ils sont là sur la table. Alors, elle se souvient pas de moi, la pintade ? Juin 41, l'opéra. Souviens-toi du vase de Soissons. Excusez-moi, mais quand on est énervé, ça soulage. Alors, on n'ospite plus les concierges, il est monté en grade, le Ramirez, hein? Ça fait 2 ans que j'attends ce moment, vous allez comprendre votre douleur. Mais il y a une légère erreur. Nous avons toujours reconnu vos grands mérites, Rami. Monsieur Ramirez, c'est fini! Il n'y a plus de Rami, il n'y a plus de Rami! Il est où le type qui a vous planqué? Un type? Quel type, monsieur Ramirez? Ta gueule, la tata! La petite morveuse a commencé à nous raconter une histoire bien intéressante. Seulement, elle nous a lâchés au meilleur moment. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et on voudrait bien savoir la fin. C'est ce que je veux dire, vieux crouton! Lâchez ma mère! T'as gagné, toi, la pute! C'est toi que je vais me faire un plaisir d'interroger. Tu pars tout de suite ou je te fais couler un bain? Mais qu'est-ce qui se passe? On torture ici? Ta gueule, main sur la tête, le péné, balance ton nom! Spence! Général, Spence! Excusez-moi, général, je vous avais pris pour un autre. Mais qui êtes-vous? Adolfo Ramirez, Gestapo. Écoutez, mon général, j'ai du mal à comprendre. Vous vous connaissez pas? Il nous a dit qu'il agissait sur votre ordre. Tu as dit ça, crapaud? Mais mon général, il ment comme il respire. Mais je mens? Mais on est tous témoins ici. Mais absolument, nous l'avons tous entendu. Ah, je vois, monsieur affabule. Mais comment oses-tu venir ici avec ta horde de rats immondes? Écoutez, mon général, je suis de la Gestapo, je mène une enquête, je ne fais que mon devoir, mais je me demande si vous faites bien le vôtre. Ah, il me donne un cours, bravo! Approche ta joue, je vais te donner une leçon pour la mémoire. Répète après moi, je suis un âne batté. Le ticket de pain, mon général. Oui, général, il nous a chippé nos tickets de pain. Ah, et en plus, monsieur est voleur. Enlève. C'est ça, le ticket? Enlève. Dehors. On a la foule à la Gestapo. Je vais faire un rapport. Arrêtez pour le rapport. Méfiez-vous, méfiez-vous. Raus. Vous n'avez pas bien compris qui je suis. J'ai tout pouvoir. Ah! Il me fait peur! J'ai tout pouvoir. Je vais vous convoquer demain à la commandanture dans mon bureau à 8h. Bon, Antoy! Tu n'as pas le bureau! J'en ai rien! Ah! Mais il me fiche avec son arme! Allez! Arrête là! Ah! Je vous présente le colonel Vincent, super résistant. Dois-je vous appeler super ou résistant? Appelez-moi super, pas de chichi. Bon, il n'y a pas une minute à perdre. Nous avons le cul sur une poudrière. Mm. Vous savez que nous sommes en train de rassembler les réseaux. Êtes-vous prêt à vous joindre? Oui, si on le demande poliment. S'il vous plaît. Sachez toutefois qu'il y a un petit problème. Le général apprécie votre action, mais il a vu votre photo avec votre costume. Et je ne vous cache pas, il a été sans détour. Il a dit, ça craint. Ah. Merci. Oh, super résistant! Ah. Tu es fait comme un rat! Assure, gros tas! Couvre-moi! Ah! Il est complètement con, ce type! On se crève le cul à arrêter les terroristes, ils vous tirent dans la jambe! Mais t'as de la merde dans les yeux, espèce de connard! Mais enfin, je suis au service de l'Allemagne! Hey. Je vous préviens, vous commettez une énorme bourde! Je vais prendre les matricules, ça! Il va y avoir un rapport, mais carabiné! Aïe! Il me fait mal à la jambe, en plus! Ma jambe! Ça, vous allez m'entendre! On va m'entendre! Je suis désolé, c'est une erreur épouvantable. Aïe! Une erreur, c'est une énorme connerie, oui. Il y a français, français, comment? Alors on se crève la paillasse pour obtenir des renseignements de qualité, mais là, on vous tire dans la jambe! Merde! Monsieur Ramirez.